La plage de fonctionnement du démarrage à distance est d'environ 60 mètres. Pour que le démarrage à distance puisse fonctionner, la boîte de vitesse doit être engagée à la position de stationnement, le contacteur d'allumage doit être à off et toutes les portières doivent être fermées et verrouillées. Certaines lois locales ou provinciales pourraient limiter ou interdire l'utilisation d'un démarreur à distance ou encore exiger que le véhicule soit visible par la personne utilisant un démarreur à distance. Consultez la réglementation locale. Pour démarrer le véhicule à distance, appuyez deux fois sur le bouton de verrouillage du porte-clés. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton « Démarrage du moteur » et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes. Le moteur démarrera, les feux de stationnement s'allumeront et le système de chauffage et climatisation automatique pourra être activé en fonction de la température extérieure. Le moteur fonctionne alors pendant 10 minutes avant de s'arrêter. Pour prolonger de 10 minutes la période de fonctionnement du moteur, appuyez sur le bouton de verrouillage du porte-clés, puis appuyez sur le bouton « Démarrage du moteur » et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes. Le temps de fonctionnement est calculé comme suit. La première période de 10 minutes débute lorsque la fonction de démarrage à distance est exécutée. La période additionnelle de 10 minutes débute immédiatement lorsque la fonction de démarrage à distance est exécutée une seconde fois. Par exemple, si le moteur fonctionne depuis 5 minutes et que vous prolongez la période de démarrage à distance, le moteur fonctionne pendant une durée totale de 15 minutes. Appuyez sur le bouton « Démarrage du moteur » du porte-clés et relâchez-le à tout moment pour annuler le démarrage à distance du moteur. Après 2 démarrages à distance, le contacteur d'allumage doit être placé de « on » à « off » et le véhicule doit être conduit à 11 km/h pour que le démarrage à distance puisse être de nouveau utilisé. Pour conduire le véhicule après avoir utilisé le démarrage à distance, enfoncez la pédale de frein et appuyez sur le contacteur d'allumage. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.